Envoyé, c'est bon, j'ai envoyé ce que je devais faire. Bon, quelle heure il est? Ah, il est déjà 6 heures. Je vais pouvoir y aller. Bon, ben, j'y vais. Oriane, je dois y aller. J'ai fini. Je te laisse. Bah, salut, hein, ma collègue préférée. À plus, à demain, bah, ouais, à demain, salut. Salut! Allez, j'y vais. Oh, tiens. Chef. Bonjour Beverly, comment allez-vous? Je vous enverrai le travail que vous aurez à faire demain. Sur votre téléphone, je vous l'enverrai, d'accord? Et après, je vous donnerai une feuille demain. Au revoir. Au revoir, monsieur. À bientôt. Bah oui, à bientôt, à demain. Ok. Pourquoi une feuille? Il m'a jamais donné de feuille. Bon, il n'y a pas à chercher. De toute façon, il a toujours été un peu bizarre, mon chef. Allez, je rentre chez moi. Ok, voilà. J'ai bien fait ma voiture. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Allez, bon. Je sais pas trop ce que je vais me faire à manger. Ouais, je sais. Je crois qu'il y a une part de pizza qui reste dans mon frigo. Ouais, je vais pas manger une pomme ni une banane, hein. Ouais, je vais manger la part de pizza qui reste dans mon frigo. Ça sera bien. S'il en reste, bien sûr. J'espère vraiment, réellement qu'il en reste. Mais bon, allez. Ah oui, j'ai regardé l'heure sur la box, il est quand même 7h30, même si. Oh, j'ai tellement la flemme de manger. Mais il faut bien se nourrir, hein. Yes, il reste une part de pizza. Allez, je la prends. Et comme dessert, je vais prendre la gaufre. Ouais, la gaufre, je pense que ça va être bien. Allez, je prends la gaufre. Je ferme mon frigo et je vais manger tout ça tranquillou. Un gros bonheur avec le pepperoni qu'il y a dessus et tout. C'est trop bon, je me rappelle plus qu'elle était excellente comme ça. Allez, ma petite gaufre. Bon, j'ai fini. Je vais aller regarder ma petite série préférée. Et je ferme ma porte parce que bon, il peut y avoir des intrus. Et je vais allumer mon petit feu. Ouais, pour avoir la petite ambiance. Voilà. Et j'éteins ma lumière. Et je vais aussi fermer les volets. Comme ça va être vraiment cosy, cosy à la cool, Raoul. Voilà. Je ferme les volets. Et je vais me regarder ma petite série. Ah, j'ai oublié d'éteindre la lumière d'en haut. Ok, j'éteins et je vais me regarder ma petite série. Let's go. Non, je vais pas. Non, ouais, je vais regarder Dentiste. Je crois que c'est ça le titre. Allez, je me mets à la cool. Non, pas les dogs, hein. Pas les chiens, pas les chiens. Ouais, voilà, c'est ça, le Dentiste. Oh, j'adore cette série. Oh, un, un. Par contre, elle est un peu triste, je trouve. Vraiment très triste. Ah, j'ai reçu un message de mon chef. Alors, il faudra que vous me calculiez la distance d'une banque. Eh? Pourquoi elle parle de banque? Enfin, de trucs de banque, c'est trop chelou. Bon. Faut pas chercher à savoir. Il a toujours été trop chaud. Bon, moi je vais peut-être aller me coucher parce que je regarderai la fin ce soir demain. Parce que là je suis vraiment fatiguée. C'est pas possible comme je suis fatiguée. Déjà que je voulais me coucher à 7h30. Il est seulement 20h là. Je vais quand même me coucher. Hein. Comme ça je vais être bien. Ok. J'ai tout. Ouah, j'ai la flemme de me brosser les dents. Je me couche directement avec mon sac à main. C'est bon.
J'ai bien dormi. Ici, ce qui est bien dans ma nouvelle maison, c'est que quand on se réveille, on entend les petits oiseaux. C'est trop choubidou. Allez, j'allume la lumière. On ne voit rien par contre ici, c'est un peu énervant ça. Allez, je vais aussi allumer cette petite lumière parce que s'il n'y a aucune lumière dans la maison, il est déjà 6h. Je me suis couchée à 20h, j'ai l'impression que j'ai pas dormi. Allez, c'est parti. Oh, j'adore ces céréales, vraiment, elles sont excellentes. Les céréales brocoli, c'est trop bon. Ah, vraiment trop bon. Allez, je débarrasse, voilà. Et je vais à mon boulot calculer les trucs là de banque de mon... Oh, chef, c'est vraiment chelou par contre. Bon, allez, je prends ma voiture. J'y vais. Faudra que je fasse une lessive. Je vais mettre une petite musique dans la voiture parce que quand y a pas de musique, on se sent un peu seul. La radio de Brookhaven. Oh ouais, j'adore cette musique. Ouais, il y a beaucoup de monde quand même. Et c'est chaud, les gens, ils vont beaucoup nous acheter des trucs, je pense, aujourd'hui. Bon, au moins, j'ai beaucoup gagné. Bon, j'éteins quand même la radio, hein. Voilà, je me gare et c'est parti pour une nouvelle journée. Ah, tiens, voilà quelqu'un. Bonjour, monsieur. Bonjour, Beverly. Voici la fiche avec tous les trucs que vous allez devoir calculer aujourd'hui, toutes les réponses, questions, les réponses que vous devez... Bah, vous devez y répondre, ouais, c'est logique, quoi. Mais bon, voilà. Tenez. Oh, ok, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, Pepperly. Et à très bientôt. Enfin, je pense qu'on va se recroiser ce soir. Et il n'y a pas votre collègue. Elle a pris son jour de congé aujourd'hui. Ne me demandez pas pourquoi, je sais même pas moi-même. Au revoir. Ok, j'aime pas trop être seule, mais au moins je vais pouvoir mettre de la musique que j'aime bien. Allez, let's go, allez travailler. Oh, j'ai la gorge un peu enrouée, dis donc. Allez. Ça fait bizarre de pas voir Oriane. Bon, on va lire ce qu'il nous a demandé de faire. Alors. Hein? Quoi? Calculer la distance entre la banque et nous? Quel est le chemin le plus rapide pour aller jusqu'à la banque? Mais non, mais c'est quoi ces questions? Mais... What? Non, c'est pas... En plus, il peut regarder sur Google Maps, hein. Mais quand même, quoi? C'est quoi ces questions? Je vais l'appeler, là. C'est pas possible. Allô, monsieur? Oui, mais elles sont trop bizarres, vos questions. Vous pouvez venir me voir, s'il vous plaît, 2 minutes? Parce que ça commence vraiment à être chelou, là, ces histoires de banque. Pourquoi vous parlez toujours de banque? Vous arrivez? Ah, ok. Bon, bah, je vous attends, hein, parce que c'est trop chelou pour moi, là. Ah, vous êtes là? Oui, je suis là. Et non, ce n'est pas bizarre, d'accord? C'est des questions, comme toute autre question, vous voyez. Ce n'est pas bizarre. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, mais bon, si vous continuez aussi, sinon vous allez être envoyé, d'accord? Donc, je vais vraiment vous laisser parce que j'ai autre chose à faire, moi. Je dois travailler sur mon ordinateur. Donc, travaillez, sinon le renvoi, c'est tout de suite, vous voyez? Au revoir. Ok, ça commence à être de plus en plus suspect. Mais bon, il a toujours été bizarre, non? Je vais mettre de la musique, ça me détendra un peu. Elle se doute de quelque chose, c'est sûr. Elle est trop intelligente. Il faut que je fasse quelque chose. Mais il faut aussi que je continue. Oh, je réfléchirai chez moi, ou sinon je lui poserai une question. Elle se doutera de rien. Mais bon, là, je rentre. Parce que
C'est trop dur de réfléchir dans son propre bâtiment. Donc, je rentre. C'est parti. Oh, j'ai vraiment je sais pas conduire. J'ai pas passé mon permis de conduire. C'est bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Oh, c'est pas possible. Aïe. Oula. Faudrait peut-être que je le passe un de ces jours parce que je vais vraiment finir par me faire mal. Aïe. Quelle musique que je pourrais mettre? Je pourrais peut-être mettre. Je vais sur YouTube comme ça, je regarde. Oh ouais, je vais mettre celle-là. Mais bon, la musique. Ah ouais, je mets celle qui était dans la voiture là. Mais bon, quand même, cette histoire est de plus en plus suspecte. Je sais plus parler. Oh, je sais. Pour les réponses, je vais mettre n'importe quoi. Genre comme ça, s'il se passe des choses à la banque, ce sera pas de ma faute. Je veux dire, je vais mettre des fausses réponses. Ouais, ça fonctionnera bien comme ça. Allez. Voilà. Et c'est bon. Je vais quand même appeler Oriane parce que ça commence vraiment à être trop bizarre. Je me demande ce qu'elle fait d'ailleurs, parce que puisqu'elle n'était pas là aujourd'hui, elle doit avoir de bonnes raisons. Oh, elle prend toujours autant de temps à répondre. Oh là là. Oriane, s'il te plaît, réponds. Ah, enfin. Allô, Oriane? Salut chérie, comment ça va? Moi tranquille, là, j'étais en train de faire un TikTok, mais bon, voilà quoi. Ouais, ça va, mais faire un TikTok, c'est ce que t'as fait pendant toute la journée? N'exagérons pas, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai je suis allée aux toilettes quoi. Donc j'ai fait toute ma journée, tu vois. Ouais, bon. Je voulais dire que notre chef, il avait un comportement super bizarre. Il m'a demandé de calculer le chemin le plus rapide pour aller jusqu'à la banque. Et tout ça, tu vois, des trucs qui sont en rapport à la banque, c'est chelou, non? Oh ouais, écoute, le chef, il est tout le temps chelou. Hein. Moi, il m'a déjà demandé quel est le travail, quel travail est, dans quel travail on gagne le plus d'argent? Et bien, je lui ai répondu, bien sûr, voleur. Et après, il a dit, oh, trop cool. Et tout, et du coup, après, il a été surpris comme si, genre, il y avait quelqu'un de spécial qui le regardait. En mode, il m'a dit, j'ai rien dit, hein, je veux pas du tout faire ça de ma vie, tu vois. Mais je crois pas qu'il est voleur, hein, t'inquiète pas. Il est trop gentil pour être. Quoi? Il t'a vraiment demandé ça? Oh, c'est sûr, c'est un cambrioleur. Mais non, chérie, oh, tu fais vraiment des films. Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, très bien, puisque tu ne me crois pas, demain, avant de partir, tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le suivre, d'accord? Quand il partira, quand il rentrera, d'accord? Ok, ah, trop bien, j'ai cherché ma tenue de camouflage. Bon, ben, je te laisse, hein, moi je dois continuer à ma choré. Ok, bye Yorian, à plus. Super, on va enfin connaître la vérité. Moi, j'en suis sûre, c'est un cambrioleur. Bon, je vais quand même faire je sais pas quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, mais oui, c'est la nuit, je viens de m'en rappeler. Allez, faut que j'aille me coucher, moi. J'ai même pas mangé, mais c'est pas grave, j'ai pas faim. Allez, j'ai hâte de voir demain. Ça va être l'heure. Est-ce que t'es prête pour voir ce qu'il va faire, notre chef? Oh, j'oublie tout le temps le mot chef, je sais pas ce que. Ouais, je suis grave prête. J'ai pris tout ce qu'il fallait. Les tenues et tout, hein, tu vois. Je suis super, super et tu sais d'ailleurs. Tu sais que je suis maintenant, je suis. Oh, je sais plus ce que je voulais dire, moi. Je suis. Oh là là, j'oublie tout le temps.
Écoute, c'est pas grave. Je viens de voir le chef partir. Il faut qu'on y aille vite. On va se changer du coup. T'as les tenues? Oui, regarde, j'ai tout dans cette boîte. Alors, je vais plutôt te donner cette tenue et moi je prendrai ça. Viens, on va se changer dans le club. Ok, allons-y. Merci pour la boîte. T'en as pris deux? Mais je... Ok, je te suis. Fais vite parce qu'il va partir après. Oui, calme-toi. Mais tu es même pas toi, donc parle pour toi. Hein. Non mais en fait, moi j'ai des petites voix dans ma tête et du coup je leur parle. Ouais, ok. Bon, moi je vais me changer derrière le bar, d'accord? Ok, et après ça sera à mon tour. Ouais, promis. Ok, je me suis aussi attaché les cheveux. Je vais enlever mon sac. Ok. Bon, je vais me mettre à la porte pendant que tu te changes, d'accord? Vas-y. Voilà, chypre. Ok, mais c'est quoi ce style? Mais what? T'inquiète, j'ai acheté tout ça à 1000 euros, mais c'est pas grave, allez. Ok, si tu le dis. Bon, bah... On y va. Désolé, mon téléphone a vibré. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, bah, faut y aller là. Hein. Ouais, allons-y. Tu te rappelles quand j'ai dit que j'étais en... Oh, tu vois, je retrouve plus le mot, oh là là. J'étais en... Je suis en... Ouais, c'est pas... C'est pas grave, t'inquiète pas. Mais maintenant, plus un bruit. Il doit être là. Personne. Ok, c'est bon, j'y vais. Ouais, je vérifie quand même. Hein. Ouais, je pense que je peux y aller. Allez, vite. Parce que sinon, je vais être en retard. Vite, 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 vite. Oh, allez. Je vais vite, il n'y a personne. Toujours personne. Ok, j'y vais. Ok, c'est bon. Il y a l'air un peu fluent. On peut continuer. Eh oh, tu viens? Tu fais quoi là? Eh oh, je te parle. Je suis là. Désolée, j'aime pas trop les moments où je vois les gens comme ça. Tu vas, t'inquiète. Allez, on y va. Allez, suis la carte. Ok, je te suis. Mais tu vas où? Désolée, j'ai pas trop le sens de l'orientation, tu vois. Ouais, je vois très bien. Bon, reste derrière moi. Surtout, ne bouge pas. Tu restes tout le temps derrière. Je t'ai dit quoi? Reste derrière moi. Derrière moi. Ok, toujours personne. Je me prends peut-être un petit truc à manger. Non. Il faut que je continue. Allez, j'y vais. J'ai peur que quelqu'un me suive, mais ça va. Ok, il a continué sa route. Viens. Eh oh, t'es où? T'es où? Mais oh, c'est pas possible! T'es passé où? Réponds-moi! J'en ai marre, mais tu fais n'importe quoi! Désolée, tu vois vraiment les moments comme ça, j'aime pas du tout, même si je suis une star avec mes lunettes. On continue. Continue à te cacher derrière moi. Ok, il est pas là. Il n'est pas entré là-dedans. Non, il a dû continuer sa route. Surtout, reste toujours derrière moi. Attends, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Je t'ai dit de rester derrière moi. Derrière, juste derrière. Pas à 2 mètres. C'est plus la période du Covid, là. Enfin, il y a toujours le Covid, mais maintenant, c'est comme un rhume, quoi. Mais non, t'es pas obligé de te cacher dans le magasin. Ouais, non, mais je préfère, tu vois. T'inquiète pas, je reste là. Attends, je vais peut-être me cacher plutôt autre part, parce que là, il risque de me voir. Ah, je vais aller un peu plus derrière. D'accord, mais ne fais pas n'importe quoi. J'ai vraiment l'impression... Qui a parlé? Ah mince, c'était ma messagerie.
Ouais. Personne n'est là. C'est bon, je prends la moto là-bas. Ouais, je vais juste en prendre une comme ça. Comme ça, je vais pouvoir aller vite au restaurant. Je vais manger un petit Big Mac. Ah ouais. Parce que maintenant, au restaurant, ils font des Big Mac. C'est trop, trop bien, vraiment. Allez, je mets ma petite moto. Enfin, je vais prendre cette moto. Oh, elle est trop belle. Ouah, j'adore les motos rouges. Elles sont magnifiques. Vraiment, trop belles. Je suis une personne normale hein, qui marche à côté d'une épée. C'est bon, il m'a pas cramé. Par contre, elle est passée où là? Elle est même plus là où elle était, bien sûr. Elle est encore partie quelque part. Je sais pas ce qu'elle fait en ce moment, mais ça vraiment, ça commence à me saouler. Tu peux revenir, s'il te plaît, Oriane, là. On est en mission. Je sais pas si tu sais. Hein. J'ai l'impression d'être ta mère, vraiment. Oh, je te dis tout. C'est énervant. Viens, s'il te plaît, là. Ça commence à être saoulant. Allez, je t'attends. Oh, c'est pas possible. Tu peux venir, s'il te plaît, là. Oriane, je t'attends. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'aurais dû prendre quelqu'un d'autre avec moi que Oriane. Parce que elle est vraiment. Ah, enfin. Elle sort de ce. De... Je sais pas où elle était. Mais elle sort de sa cachette. Oriane, viens par ici, s'il te plaît. Avec ton sens de l'orientation. Critique pas mon sens de l'orientation. Ouais, bon, bref, il est allé vers le restaurant. Il faut qu'on y aille tout de suite. Sinon. Il risque de partir aussi vite qu'il y est allé. T'as une voiture? Ah, oh, ça m'étonne que t'aies le permis de conduire. J'ai pas le permis de conduire. C'est le van de ma mère, d'accord? C'est juste qu'elle me l'a prêté et que, puisque, en fait, c'est comme si j'avais passé mon permis de conduire, tu vois, avec ma mère. Elle m'a appris tout et je sais tout maintenant. Ok, ça veut dire que là, tu vas me conduire au restaurant sans ton permis de conduire. Oui, bon, sinon tu peux aussi aller à pied, hein, mais je pense que tu préfères venir avec moi, donc. Ok, bon, bah, en tout cas, si on a un accident, je te prêterai pas d'argent pour l'amende. Quoique, bon, ça peut être. Bon, allez, allons. Bon, allons-y. Je vais mettre la musique la plus cool que je connaisse. Tu vas adorer. Ah ouais, cool ta musique. Oh, attention! Éteins-la tout de suite, il est là. C'est la moto qui l'a volée. J'espère qu'il nous a pas vus. Non, c'est bon. Attends, je rêve où il se dirige vers la banque. J'en étais sûre, c'est vraiment un voleur. Ouais, c'est bon, il est loin, tu peux parler normalement. Et on peut y aller. Ouais, on y va. J'ai remis juste la musique que j'adore. Ok, vas-y, si t'as envie. Non, mais en fait, vaut mieux que tu l'éteignes parce qu'après, il va nous entendre depuis là où il est. Ah bon, d'accord. Faudra juste que je la mette dans ma story. Dans ma story. Comment ça s'appelle? Playlist, voilà, Spotify, tu vois. Ok. Bon, du coup, là, je sors la première. Comme ça, je vérifie. Enfin, t'as les clés. Bah oui, si c'est le van de ta mère, j'imagine que tu vas pas perdre les clés. Attends-moi! On est censé s'attendre, je te rappelle. Ouais, bah toi, tu fais pareil. Bon, on arrête les disputes, parce qu'après, il va nous entendre. Alors, oui, c'est sa moto. C'est sa moto rouge. Enfin, c'est pas la sienne, mais bon, t'as compris? Ok, il est pas là, on peut y aller. On peut avancer. Tu viens? Ouais, j'arrive. Oh, j'aurais dû aller aux toilettes avant de partir. Ah, mais non, parce que du coup, ça n'aurait pas fonctionné, puisque après, on aurait trop retardé. Bon, faut que j'arrête de parler. Ouais, vaut mieux que t'arrêtes.
Et aussi, il vaut mieux que tu m'attendes. Ouais. Mais pas plus à partir de maintenant. Avec cet argent, je vais enfin pouvoir m'acheter tout ce que je veux. J'en suis sûre et certaine, c'est lui. Oui, moi aussi, je reconnaîtrai sa voix entre nous. Non mais t'es vraiment pas possible, toi. Alors, en premier, qu'est-ce que je ferais quand j'aurai tout l'argent que je voudrais? Oh, je sais, je vais m'acheter la voiture la plus belle du monde. Oui, et je roulerai avec lui dans sa magnifique voiture. Mais t'es pas possible. Et aussi, j'aurai un chat, un chien. Ah, mais oui, c'est ça! Je suis en couple! Oh non. On est mal barré. Pourquoi t'as dit ça? Attends, tu veux dire que t'as un crush sur le gars et t'es aussi en couple? Qui est là? Oh, c'est toi, Beverly. Je me doutais que t'étais trop curieuse. Je savais que t'allais faire quelque chose. Oui, et il y a aussi ma collègue juste à côté de moi. Attends, elle est partie? Espèce de lâche! Eh oui, tu es toute seule. Et maintenant, tu vas me suivre. Sinon, tu vas avoir affaire à mon pistolet. D'accord. Et ne t'avise pas de t'enfuir, sinon tu vas le payer. Et aussi, les mains en l'air, s'il te plaît. Enfin, pas s'il te plaît, mets-les en l'air. Voilà, c'est bien. Ça vous dit pas une partie de Uno? C'est pas trop le moment, là. Plus tard. Avance. Voilà, comme ça. Je te suis. Et suis-moi, d'accord? Ou non? Non, attends! Hé, je t'ai dit quoi? T'enfuis pas, sinon je tire. C'est dans l'autre sens. D'accord? Oui, d'accord. Monsieur, je sais plus votre nom de famille. C'est pas grave, avance, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Ici. D'accord, monsieur. Si elle s'ouvre, avance. Voilà. Ah oui. Aïe. C'est pas grave, relève-toi. Allez. Oui. Oui. C'est quoi cet endroit? Oh. C'est ici que je travaille réellement. Je sais, tu es une très mauvaise enquêtrice. Et tu n'as pas réussi à résoudre le problème. Je dirais pas ça. Je dirais plutôt que j'ai réussi à demi. Ne me contredis pas! J'ai un pistolet! Une arme. Non, mais je vous contredis pas. Je vous dis que vous avez à demi raison et que j'ai aussi à demi raison. Donc on a tous les deux tort. Ah, au lieu de bavarder, pour gagner du temps, rentre. D'accord, monsieur. C'est quoi cet endroit? Mais c'est quoi cet endroit? Oh, il y a un ordinateur dans une boîte en carton. Bon, arrête de parler. Va t'asseoir sur la chaise là qui est au fond. Allez, plus vite que ça! Oui, calmez-vous. Oh, faudrait qu'il fasse du yoga, lui. Oh, t'inquiète pas que j'ai essayé de faire du yoga. Mais ça change rien à mon comportement. Non, mais essayez de suivre mon compte mon compte Instagram. Je fais du yoga dessus. Vous pourrez vous méditer super bien. Vous. Bon, arrête tout ce que tu dis, là. Alors, tu as deux propositions. Soit je te tue, ou soit tu deviens ma femme et tu continues à travailler pour moi. Y a pas d'autre solution, genre Non, il n'y a pas d'autre solution. Choisis. Bon, très bien, je serai votre femme. Oh, ça me dégoûte déjà de... Pardon, peux-tu répéter? Non, rien, vous inquiétez pas.
Ok, je vais t'apporter les vêtements pour qu'on se marie. Ils sont dans ce sac. Quoi? Se marier? Eh oui, tiens, prends-le. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas décaler le mariage un peu plus tard? Non, j'ai pas ton temps. Bon, de quoi? Quand je vais pouvoir partir de cet endroit, je vais vraiment, vraiment me casser. Voilà, je suis prête. C'est bon, je suis prête! Waouh, je savais que ça t'irait à merveille. De toute façon, sur toi, tout te va. Vous faites quoi là? Vous pouvez me lâcher s'il vous plaît? C'est un peu tôt, non? Merci. Oh oui, bien sûr. Vous me laissez juste aller prévenir les membres de ma famille, s'il vous plaît, pour le mariage. Oui, bien sûr, je veux qu'il y ait le plus de monde. Merci. Je vais les prévenir. Je vais peut-être pas faire que ça. Il ne se doute de rien. Qu'est-ce qu'il est bête et il va vraiment le payer. Il ne se doute vraiment de rien. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop, trop bête. Bon, heureusement qu'il n'y a pas un gars intelligent qui m'a kidnappé. Allons au commissariat pour prévenir le policier, oui, je suis bête. Allons-y. Ah, monsieur le policier, j'ai une affaire très importante. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, un gars m'a kidnappé et j'ai réussi à le piéger. Du coup, faut que vous veniez pour le mettre en prison. Oh oui, une affaire comme ça. D'accord. Je vais m'en occuper. Allez-y déjà, je vous suis, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. En tout cas, merci de nous avoir prévenus. Il y en aurait qui n'auraient pas réussi. D'ailleurs, qui. Vous avez de la chance d'être tombé sur quelqu'un de pas très intelligent, en tout cas. Oh oui, c'est ce que je me suis dit. Donc, on peut y aller, monsieur. Suivez-moi. Je vous suis, je vous suis. Oh, c'est bon, mon chéri. J'ai prévenu toute la famille et j'ai compris que je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai compris aussi que je vous... Oh, mais c'est génial. Vous avez enfin compris. Enfin, tu as enfin compris. Oh, qu'est-ce que je t'aime, tu sais. Oh. Et j'ai surtout compris que vous ne comprenez rien et que vous êtes vraiment débile et que vous allez le payer. Ya, 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 ya. Ha. Aïe! Comme quoi, ma mère avait raison. Les 10 ans de karaté, finalement, ça n'a pas servi à rien. Je vais tomber à nouveau. À mon avis, il est évanoui et... Il se réveillera pas avant au moins 1 heure ou deux. Allez, j'y vais. Au moins, ça c'est sûr, les 10 ans de karaté n'auront pas servi à rien. Ma mère avait bien, bien, bien raison. Monsieur le policier, c'est bon, vous pouvez rentrer. Il est évanoui pour, je sais pas, 1 heure après. Ah, le voilà. Bon, ben, au moins, un de moins. C'est bon. Eh oui, mon cher monsieur, vous êtes arrêté par la police de Brookhaven. Eh ben, dis donc, cette petite, elle était compétente. Hein. Bon, cette petite, elle avait 12 ans de moins que moi, mais bon, elle était quand même plus petite que moi. En tout cas, elle était compétente, c'est bien. Qu'elle ait réussi à arrêter un homme comme ça. En plus, il était recherché, hein. Ouais, vraiment recherché. Très recherché. Je pense que, bah, on n'aurait pas réussi à l'avoir sans elle. Et mon cher monsieur, c'est la prison pour vous. Pendant, je pense, 20 ans. Ouais, je crois que c'est 20 ans de prison à peu près. Au revoir. Ça fait du bien de le voir en prison. Ça faisait depuis tellement de temps que j'attendais ce moment.
En tout cas, moi, je me remets à mon poste de police. Moi, j'ai deux mots à dire à ma soi-disant meilleure amie. En tout cas, ça ne sera plus une amie, juste une collègue. Voilà, je garde ma voiture, hop là, et c'est bon, je descends. Allez, je... Allez, ouvre cette porte, c'est moi, Beverly. Oh oui, entre, t'inquiète, la porte... Ah non, je vais t'ouvrir, elle était fermée, d'accord, tiens, entre. Bon, moi je dois continuer à faire mes sapins, là. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces sapins? Bah, en fait, je trouve qu'ils n'ont pas assez de place dans la nature. Du coup, je fais un potager de sapins dans ma maison. Et t'as vu comme ça pousse bien? C'est super, je trouve. Ah oui, c'est super. Mais j'ai autre chose à te dire, en fait. Oui, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je venais te parler de aujourd'hui, comme tu m'as laissé comme une vraie patate pourrie avec le chef. Oh, moi, je serais plutôt comme une chaussette moisie. Ouais, bon, bref, pourquoi t'as fait ça? Ben, en fait, je venais de me rappeler que j'avais des sapins à arroser, tu vois, parce que faut bien les arroser, les sapins. Sinon, puisqu'en plus, ils sont à l'intérieur, donc du coup, il vaut mieux les arroser, tu vois. Et donc, et en plus, c'est plus pratique. Quand c'est Noël, comme ça, t'as juste à en prendre un, comme ça. Et t'en as même des centaines. Donc, faudrait que j'achète plus de décorations de Noël, d'ailleurs. Oui, et du coup, bah, je suis désolée, j'avais plein de choses à faire, tu vois. J'en ai pas mis dans mon jardin, parce que ils sont pas bien dans les jardins, tu vois. J'arriverai jamais à tenir mes promesses. Quelles promesses? Je peux pas ne plus être amie avec toi. T'es vraiment... Tu n'es plus ma meilleure amie, mais tu es toujours mon amie. En tout cas, je pourrais jamais ne plus être ton amie. Je t'adore, tu me fais tellement rire. Même quand je suis super énervée, t'arrives à me détendre avec. Et c'est grâce à toi que je fais mes cours de yoga, d'ailleurs. C'est le yoga du rire. D'ailleurs, t'es abonné à mon compte Instagram, j'espère, hein? Bah oui, le yoga du rire. Je suis abonnée, tu me prends pour qui? Faudra que je m'abonne après, sinon il va me tuer. Ouais. Bon, en tout cas, on reste toujours amis. Je pourrais jamais me passer de toi.